Bernard de la Villardière désespéré par l'équipe Pleurniche contre la réforme des retraites. Invité de Sud Radio dans l'émission de Judith Bellé « C'est excellent », Bernard de la Villardière a donné son point de vue sur la réforme des retraites et s'est dit désespéré par ses concitoyens. Point. Une interview au coup de poing qui a ensuite suscité l'indignation sur les réseaux. Pas sûr qu'avec ses déclarations récentes sur la réforme des retraites, Bernard de la Villardière se fasse de nouveaux amis. Invité de Sud Radio dans l'émission « C'est excellent » présentée par Judith Bellé sur Sud Radio. Le journaliste et animateur de M6 était venu parler de son nouveau projet média et en a profité pour donner son avis sur la réforme des retraites. Et il n'avait clairement pas envie de faire dans la dentelle. Évoquant son expérience dans certains pays difficiles ou en guerre. Il n'a pas caché sa surprise de voir le manque d'allant face à l'adversité de ses concitoyens. « Quand je rentre ici en France, c'est vrai que je suis un peu. Parce que quand je vois qu'on manifeste contre la réforme des retraites et que les gens pleurnichent parce qu'ils vont bosser 2 ans de plus, ça me désespère un peu. Parce qu'il y a tellement de choses à faire aujourd'hui dans le monde. » Vous savez un chiffre? Le Bureau international du travail dit que la moyenne de temps travaillé par semaine dans le monde, c'est 60 heures. Nous, on est à 35, on est très très loin. Et puis le travail, c'est la vie. C'est l'émancipation, c'est la relation aux autres, c'est la créativité, c'est formidable. Des propos qui ont provoqué une très vive colère sur les réseaux sociaux où la séquence diffusée par Sud Radio a été très commentée. Et il s'est trouvé peu d'internautes pour défendre le point de vue de Bernard de la Villardière. C'est sûr que lui, les ampoules aux mains, il ne doit même pas savoir ce que c'est. Facile à dire quand on n'a rien foutu de toute sa vie, venez découvrir le monde des ouvriers. Des métiers pénibles, et on verra sur vous. Tenez toujours le même discours, 6 heures dans les égouts de Paris. Stressé à livrer des pizzas au pas de course. S'occuper de patients en 3 minutes chrono. Subir les intempéries et vibrations des marteaux piqueurs sur chantier. Porter lourdes charges à s'en casser le dos. Être brisé par un travail répétitif. Mais c'est la vie, se sont offusqués de très nombreux internautes choqués par la condescendance affichée par le journaliste star de M6. Des propos forcément difficiles à entendre alors que très récemment 72% des Françaises interrogées se déclaraient hostiles à la réforme des retraites présentée par le gouvernement.